Salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle présentation du calendrier des streams du week-end. Bon, je vous fais ça très rapidement parce que du coup, je fais une petite pause très rapidement entre deux tournages par rapport à toutes les vidéos de Bleach que j'ai à vous proposer cette semaine. Donc, on se fait ça très très vite. Alors, pour vendredi, bon, on part sur le classique traditionnel live sur Bleach Brave Souls. Par contre, pour cette semaine, je vous laisserai pas vraiment le choix, si je puis dire, entre savoir si on va sur la globale ou sur la japonaise. Je verrouille le truc tout de suite, on part sur la japonaise. Parce que nous avons depuis mardi, depuis le dernier épisode du Club Game Studio, donc version japonaise cette fois-ci, nous avons l'information de la sortie donc de 3 nouveaux personnages, enfin, ils ne sont pas nouveaux dans le sens où ce sont des persos qu'on a déjà dans le jeu, mais selon 3 nouvelles variantes et des nouvelles affinités. Nous allons avoir un nouveau Gin en affinité instinct, violet donc, un nouvel Onohana en affinité connaissance, donc orange, et toujours en affinité connaissance orange, nous aurons un nouvel Ukitake. Ça fait plaisir. Enfin, peut-être une Onohana qui va faire du bien, d'après ce que j'ai vu, Onohana hybride, Ukitake et Gin, vraiment très axé sur la pression spé. Donc, bon, à voir. Donc, moi, je suis vraiment hyper hypé. Je dois vous avouer que je farm à mort la version japonaise du jeu, parce que je veux des orbes. C'est du farm et du up de perso, j'en peux plus de la vie. Donc, à la limite, je finirai peut-être un petit peu de farmer vendredi soir, mais le gros de la vidéo, ça va tourner autour des invocations sur cette nouvelle loterie. Jusque-là, la japonaise me sourit depuis 2 lives de suite, où effectivement, je drop systématiquement tous les persos du portail. Écoute, on va croiser les doigts, on va bien voir comment ça se passe. Donc, vendredi, à partir de 22h, on part sur la Jap Bleach Brave Souls. Samedi, par contre, pas de live. Samedi, je ne serai pas chez moi, je n'aurai pas la possibilité de pouvoir streamer dans des horaires raisonnables. Donc, pour samedi, on coupe court, il n'y aura pas de live pour cette semaine. On verra la semaine prochaine, mais pour cette semaine, nada. Et ensuite, pour dimanche, je vais vous proposer un jeu que vous me demandez depuis pas mal de temps maintenant, que je n'ai pas eu l'occasion de vous représenter, faute d'organisation par rapport aux gens avec lesquels je souhaite être accompagné. On va partir sur un jeu qui a bénéficié d'une énorme mise à jour cette semaine, donc mardi notamment. On va partir pendant 2 heures de stream dimanche sur GTA V. Pour le moment, j'avais un peu ralenti le rythme sur ce jeu puisque je ne pouvais pas, enfin j'ai des soucis d'organisation avec les personnes dont je souhaitais être accompagné. Comme vous le savez, j'ai dû redémarrer un compte, mon compte n'est pas à très haut level, j'ai pas énormément de thunes, donc du coup, mes possibilités sont un petit peu limitées, donc ce qui fait que je peux pas forcément toujours proposer du contenu intéressant sur GTA, mais au moins, là, on pourra être plusieurs. Naturellement, vous pourrez nous rejoindre dans la game. Par contre, bien attention à une chose, moi, je n'accepterai que autant de joueurs qu'il est possible d'en accepter dans une vocale PS4, c'est-à-dire qu'on est limité à 8 joueurs, la moitié de la vocale, pour moi, est déjà pleine par rapport aux gens que je compte inviter. Je me mettrai hors ligne dimanche soir, le temps d'inviter tous les gens dont je souhaite être accompagné, et ensuite je me mettrai en ligne et vous me rejoindrez au fur et à mesure si vous le désirez naturellement. Donc on peut prendre jusqu'à 8 joueurs dans la vocale, si plus veulent nous rejoindre, bah vous nous rejoindrez. Par contre, c'est emmerdant, on pourra pas communiquer, ce sera un petit peu concon. Bon, on verra exactement ce qu'on peut faire, on se débrouillera bien dimanche soir. Au moins, le principal, vous savez déjà qu'on va bien délirer, qu'on va passer un bon moment. Donc je vous fais un petit récap: vendredi, Bleach Brave Soul version japonaise, invocation sur la nouvelle loterie. Samedi, rien du tout, occupation perso oblige, et dimanche, on part sur 2 heures de GTA 5. Donc merci à vous en tout cas de me suggérer vos idées par rapport aux jeux que vous souhaiteriez voir lors des prochains streams sur les futures semaines. N'hésitez pas à me proposer vraiment jeux mobiles, consoles, PC, voilà, n'hésitez pas, dites-moi vraiment ce que vous aimeriez voir. Je me suis fourni, j'ai profité des promos de Steam pour télécharger gratuitement Payday 2. Donc je n'ai jamais joué encore à ce jeu-là, je sais que c'est de la coop un peu façon Rainbow Six, donc à voir. Donc si ça vous intéresse de voir des jeux là-dessus aussi, des jeux PC pour changer un petit peu, ça fait un moment que j'ai pas tâté du clavier souris, mais bon, si vous voulez, il n'y a pas de problème, on pourra se démerder avec ça. Donc n'hésitez pas encore une fois à suggérer moi vos idées pour les prochains streams, j'en prendrai bonne note naturellement. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi celui-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien, et je vous dis à demain pour le premier live sur Bleach. Ciao, ciao.